Max, nouvelle sortie Magic Dream. Coucou Olivier. Salut. Regarde, regarde de quoi on parle. On va petit parler de portrait de Olivier Saragoza. Je vous cache pas qu'à chaque fois, un coup sur deux, on s'est trompé sur l'orthographe de son nom. Toutes nos excuses. Ça l'a un peu vexé. Donc, toutes nos excuses, Olivier. C'est vraiment pas voulu. Mais il n'y a pas idée aussi de mettre des Z et des... Il n'y en a pas en plus. T'as qu'un seul Z dans son nom. Tu vois, moi, mon nom était compliqué. J'ai mis Max, comme ça. Bref, on tire un petit peu. Mais voilà, ça, c'est un petit bijou. On vous montre. Donc ça, c'est l'emballage extérieur tant cool. Vous... Pack of us, tel que vous le recevez. La boîte du tour. Hop. C'est ça. Il y a une raison à ça, hein. C'est-à-dire oui. Que là, vous avez les logos Magic Dream, etc. Et en fait, Olivier, quand il le présente, dit que c'est un jeu qu'il a eu dans une exposition faite par un artiste qui s'appelle Taz. Donc en fait... Et qui est un vrai artiste qui s'appelle Taz, pour le coup, qui a fait les designs des cartes et qui sont assez rigolos. Et tu sais qui est Taz ou pas? Non. Bah, c'est Olivier Saragoza. Ah, c'est vrai? C'est vraiment lui, c'est son surnom. Ah, putain, j'en prends des trucs. C'est lui qui a fait. Et qui a fait du coup son... Bah voilà. Son tour. Voilà, avec, Taz, c'est facile, Max, Taz. C'est trois lettres, tac, 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 voilà. Non, vraiment très bien. Ah, mais je savais pas ça. Mais non, ça prend quelque chose, ah, du cool. Coup. Donc, ouais. En plus, cette boîte-là va servir pour le tour. Donc, en fait, c'est un concept deck. Tu sais comment ouais. On dit, voilà. C'est-à-dire, tout sert. Dedans, vous avez les cartes qui servent ou toutes ou partie. C'est vous qui allez, il y a plein de routines à faire avec. La boîte sert l'étui, il y a des cartes supplémentaires à l'intérieur aussi. Donc ça, c'est juste le packaging, en fait. C'est ça. Et du coup, en fait, juste j'attire cette attention-là, parce qu'il faut avoir aussi conscience quelquefois, ma déception en tant que consommateur de magie, c'est de voir que tu as des produits sur lesquels tu vois que sur l'emballage que tu montres aux personnes à qui tu vas performer, c'est écrit magie, etc. Ah oui. Ou autre. Là, c'est pas le cas. Bah, là, c'est vraiment... Ça peut être utilisé comme une boîte de jeux de société, ouais. De souvenirs, que vous pourriez même donner à quelqu'un. Il n'aurait aucune idée de ce qu'il a entre les mains. Ouais, c'est le gros débat des boîtes à disparition où il y a marqué en gros dessus magique. Ouais, donc c'est écrit des truqués comme non, ça, mais on verra du temps. C'est clair. Et, ouais. Et c'est une attention, je trouve, qu'on apporte de plus en plus. Oui. Bah, en plus, c'est Magic Dream, si mais... tu regardes par rapport tu vois, aux autres tours qu'avait fait notamment Johan, tu vois, le passeport, où, c'est fait pour ressembler à des jeux de société en fait. Exactement. Tu vois, plus qu'à des tours de magie. Donc, comme si ça avait été acheté dans le commerce. Ou, Et c'est là où j'en viens, parce qu'il y a quelquefois des tours ou des effets que j'aime avoir en plusieurs exemplaires, que j'aime offrir. Un exemple tout simple, hein, un jeu passeport, un jeu de cartes avec des drapeaux, c'est juste génial. Vous l'offrez à quelqu'un quand vous allez chez lui, si vous demandez, tu peux utiliser mes cartes pour faire de la magie, vous avez déjà un jeu prêt. Bref, c'est un autre débat. Ouais. Mais du coup, c'est plutôt cool. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me faire une démonstration de Celebrity Portrait? Bah, il y a plein de choses. La première chose qu'on peut faire, c'est ça. Alors, je... Petite aparté sur la très bonne idée qu'a eu Olivier avec ce jeu, c'est que comme je vous disais, on utilise ou tout ou partie des cartes, donc on peut faire juste un tour, on peut en faire un, puis un autre, et Olivier a eu la bonne idée de pouvoir faire un enchaînement, c'est-à-dire de créer une... C'est une vraie routine. Ouais, d'utiliser les cartes de manière à ce qu'on peut enchaîner des effets les uns derrière les autres, sans recetter, sans rien du tout. On n'a pas parlé de la vidéo explicative qu'il a faite avec Guillaume, qui est très complète. 1h30, 10 routines. Où ils rebondissent, où ils donnent des conseils. Ah oui, tiens, on pourrait faire ça. Donc, pareil, c'est super intéressant. Et du coup, également, c'est un jeu qui va être à destination à la fois des mentalistes, à la fois des magiciens. C'est quelque chose qu'on n'a pas, du coup, détaillé. Mais vous allez pouvoir utiliser les effets à la fin pour faire des tours automatiques, pour faire des routines de prédiction, de révélation, de démonstration d'influence. Vraiment, c'est complet. Donc, je te laisse faire. Donc là, j'utilise qu'une petite partie des cartes, hein, puisque, tu vois, je ne sais pas combien il y en a, là, d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mm-hmm. Donc, évidemment, vous n'avez pas 14 cartes dans le paquet. C'est vraiment un jeu complet, mais les autres cartes sont prêtes pour faire d'autres tours. Là, ce que je te propose, on va prendre ces cartes-là. Et je vais les montrer un peu, quand même. Donc, c'est le principe du paquet. C'est pour ça que ça s'appelle portrait. Hein. C'est que ce sont des célébrités, tu vois. Donc, qui ont été dessinés par Taz, pour le coup, l'artiste Taz dans l'histoire. Avec Julia Roberts, alors j'essaye de voir, parce que je les regarde dans l'écran, vu que je les ai de Chaplin, ouais. Tom Hanks, ainsi de suite. On les reconnaît assez facilement. Donc, il y a des acteurs, des célébrités, des hommes politiques, que des gens super, super connus, pour le coup. Mm-hmm. Autre chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'on a des cartes qui ont à la fois des dos rouges et des dos noirs. Et ça va nous servir dans d'autres tours, tu vois, c'est vraiment la bonne idée qu'a eu Olivier, c'est de vraiment
mixer des principes. Des principes, voilà. Non. Je te... C'est plein de vocabulaire, celui-là. C'est ça, appelez-moi Becherel. je vais donner le paquet, tu vas mettre le paquet sous la table. Ok. Tes mains sous la table avec le paquet. Tu vas couper une fois, deux fois, trois fois, peu importe. Trois fois, une. Ah bah, je veux pas savoir, tu fais ce que tu veux. D'accord. Ça y est, t'as coupé? C'est fini? Oui. Alors, coupe une dernière fois. Hop. Ok. Maintenant, t'as une carte sur le dessus du paquet. Tu vas prendre cette carte et tu vas la retourner face en l'air. Mais tu sais pas ce que c'est, évidemment. Okay. Et tu vas la glisser quelque part dans le milieu du paquet. Ok. Yes? Attends, parce que j'ai du mal à trouver le milieu. Hop. Allez, j'ai le milieu. C'est bon? Okay. Ouais. Et maintenant, alors attends, parce que si tu sors et que ça bave, je peux voir la carte. Donc tu vas retourner le paquet dans l'autre sens et tu vas le poser sur la table. Okay. Ça fait que maintenant, même si je ça bave, je ne sais pas ce que c'est. Même si ça bave, ça bavera sur un dos et pas sur, pas sur une carte. Comme on a vu tout à l'heure, les cartes ont des dos différents. Oui, rouge et noir. Et je pense que si tu éventailles les cartes, attends, ne le fais pas tout de suite. La carte que tu as retournée a le dos rouge. Oui. Elle est là. Elle est là. Comment t'as fait ? Ici. Hein ? T'as vu ? Et si, tu étales un petit peu plus, je pense que c'est un sportif et que c'est Michael Jordan, le basketteur américain. Yes. Yes. Michael Jordan. Michael Jordan. Très bon choix. Je sais pas, c'est toi qui l'as fait, c'était sous la table, c'est sans savoir. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Ok. Donc ça, c'est un des effets qu'on peut faire avec le... On te fait un petit enchaînement pour montrer un peu ? Ouais. Vas-y, go. Donc là, pour le coup, j'ai sorti le paquet, mais vous pouvez avoir, par exemple, ce paquet-là. Je sais, moi, où m'arrêter. J'aurais pu prendre le paquet. Mmh. Je sais qu'avec ça, je vais faire ça. Et là, j'ai un autre paquet où, tiens, on va le séparer en deux. On va remettre peut-être, ouais, voilà. Ouais. Deux paquets. Tu veux celui-là ou celui-là ? Celui-là. Celui-là, là, tu reprends ton paquet. Tu m'as vraiment dit, tu veux celui-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix. Ah, non, tu prends ce que tu veux. Est-ce qu'on échange, on échange ? Non, mais okay. c'est, je note. Juste. Ah oui, j'ai oublié de te montrer. Ici, j'ai une. On échange ? Ok, on échange. J'ai une prédiction qu'on va mettre là. Ok. Pour qu'on la voit la tout le temps. La cravate prédiction. La cravate prédiction. Parce que j'ai peur que si je la mets là. Ah ben non, si on la voit, ça passe. Ok, on la voit. Mais j'ai peur que ça nous gêne pour faire les. Bon, bref, elle est là, la prédiction. T'as ton paquet de cartes. Ouais. Tu vas mélanger les cartes. Mais vraiment mélanger à la one again. Hop. Yes. Bah écoute, ouais. Quand t'as mélangé, tu poses ton paquet. Ouais. Mets peut-être du dessus, en fait. Ouais, on sera mieux sur la vue du dessus, je pense. Cool. Mais puis tu envoies tout. Ton paquet, tu coupes ton paquet. Ok. Hop, tu retournes ton paquet. Ok. Tac, et je te donne ton paquet, je prends le tien. Hop, et on remélange. Ok. À la one again. Hop, quand c'est fait, tu reposes. Ok, c'est fait. Tu recoupes. Hop, tu retournes ici. Hop, je retourne là. Hop, et on remélange à la one again. Et tu me dis si t'en as marre, sinon on continue, ça mange pas de pain, ça fait pas de miettes. Bah vas-y, on arrête là. On arrête là. Je pense que, ouais. On arrête comme ça. Donc on refait un paquet, et comme tu vois, on a des cartes toutes mélangées, dans tous les sens. Hop. Non, je vais te donner le paquet. Ok. Et rappelle-toi ici, il y a une prédiction. Ok. Tu regardes la prédiction, hop. Je vais ouvrir. Et il y a marqué, excuse-moi, c'est celle-là en premier. 13 cartes seront face en bas. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Effectivement, c'est juste. Cool. On va virer celles qui sont face en l'air. Ok. Hop. C'est où je vois après, voilà. Parmi ces cartes, il y aura 8 femmes. Donc... Stallone, ça compte pour... Non, j'ai rien dit. Donc, vas-y, compte les femmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est juste. Cool, bien les hommes. Tiens, bon, je vais prendre vers moi. Hop, ok. Tac. Hop, prédiction d'après. Elles seront toutes chanteuses. Donc, on a Madonna, Pink... Ah non, il y a Angela Merkel. Rihanna, Whitney Houston, Jennifer Lopez, Céline Dion et Beyoncé. Il y a une erreur. Non, parce que regarde, tu regardes peut-être pas les infos, mais ils l'ont dit il y a pas longtemps à la télé, où elles sont toutes chantées. Angela Merkel adore chanter sous la douche. Ah, c'est drôle. Donc voilà.
Donc après, pareil, vous là, si on a pris ça, vous pouvez changer avec un autre, prendre la vanne que t'as dit Stallone. Non, mais en fait, Stallone a subi une opération, mais on n'a jamais osé le dire. Bah, tu mets ce que tu veux. Moi, je pense que ça, c'est très bien et ça choque personne. Mais voilà, donc ça, tout le monde aura reconnu le shuffleboard de Hanson. Ouais. Mais fait avec des célébrités et tout ça, je trouve que ça apporte quand C'est même très bien. quelque chose en plus C'est très très bien. et c'est très Bah, bien. en fait, c'est ce qui va être un peu la force de ce jeu, c'est que tu as un vrai thème universel qui est les Qui parle à tout le célébrités. monde, ouais. Et là, en plus, c'est des célébrités internationales. Alors, voilà, Taz est quelqu'un qui voyage énormément et qui a une vraie culture, on va dire, artistique. Et en fait, pour moi, il s'est absolument pas trompé sur les personnalités qu'il a choisies Ah bah parce tout le que, monde connaît, ouais. voilà, ça part de John Lennon à Ben Affleck, Travolta. En plus, on n'a pas Travolta, insisté sur les dessins, mais pour le ils coup, sont les dessins magnifiques, sont hein. vachement sympas. Ils sont vraiment magnifiques. Et donc, Travolta. c'est lui, hein, qui a tout designé, qui a effectivement fait avec Xavier, qui a retouché deux, trois trucs, mais la plupart du travail. Bruce Lee, Charlize Theron. Sean Connery, c'est intergénérationnel. Vraiment, Ouais, il et y a des puis comme trucs. on dit, tu vois, maintenant avec les dos et les couleurs, tu peux même faire des tours, genre les morts, les vivants. Enfin, tu vois, tu peux aller sur plein, plein, plein de terrains, évidemment, sur des Out of This World, Ouais, c'est avec clair. les cartes, les dos rouges et tout ça. Donc voilà, c'est Il faut vraiment. qu'on fasse, Max, une vidéo sur les Ouais, Out of mais Histoire. Il faut là, pour le vraiment. coup, il faudrait qu'on fasse une vidéo un peu approfondie et tout ça. Mais. Ça sera du MD+, c'est certain. Mais oui, il y a là, vraiment, ça c'est un gros, gros, enfin bon, bah, j'ai presque dire, moi dire que ça c'est un coup de cœur, tout le monde le sait, à partir du moment où ça parle de célébrité, de cinéma, tout le monde Ouais, sait je que suis je un peu dans ce kiffe, cas de figure là aussi. mais je refais mon genre 7 pendant ce temps-là, pendant qu'on discute genre 7. Je vais peut-être basculer en caméra. Non, ça vous permet de voir les cartes. Tac, Profitez. oui, ouais. Ah oui, puis là, il n'y a pas de secret pour le coup. Donc voilà, et oui, c'est vraiment de belles cartes. Là, je pense qu'on les a plus ou moins toutes montrées. Non, il y a celle-là, on n'a pas montré. Si, c'est celle-là, on T'as les a un effet en montrées plus tout à à me faire pour l'heure. finir ou pas? Pardon? Tu as un effet en plus à me faire pour finir? Oui. Vas-y, non, mais on enchaîne, hein, vu qu'on prend plaisir, en fait. Donc, moi, j'aime bien qu'on passe de la magie. Il n'y a que Max qui me fait de la magie, en fait, dans ma vie. Donc... C'est ça. Max, fais-moi un tour. Dis, Père Castor, Raconte-moi une raconte-moi une histoire. histoire. Oh putain, on est payé pour ça en plus. C'est la très, très bonne partie. Tiens, regarde, j'ai. C'est une affiche de ciné, on fait Ok. un casting. On D'accord. a loué une salle, on a fait un casting. Je crains le pire. Et ça, c'est les gens qui sont venus au casting. Je te les montre pas pour pas t'influencer par Ok, rapport ok. au film qu'on peut faire. Mais ça va te donner une idée peut-être du. Du style de film qu'on peut réaliser. Ok. D'accord? Tu me dis stop quand tu veux. Ok, stop. Là, hop. Je te laisse prendre. Regarde pas l'acteur qui va jouer dans ton Ok, film, c'est ça juste que ce sera marche. une surprise. Et tiens, tu vas placer la carte entre une carte rouge et une carte noire, où tu veux. Bah, Où tu veux. là. Là, Ouais, change hop. mon avis là. Et on va regarder. Hop, oui, ce qui va jouer dans ton film. Hop. Attends, je change de caméra pour que tout le monde puisse voir. Toi, Ok. t'aurais pu avoir Jennifer Aniston, Jim Jim Carrey. Carrey. Ouais. Jim Carrey, c'est bien, si tu l'as, parce qu'en fait, tu gagnes en effets spéciaux, il fait tout lui-même. Ah, T'as c'est clair. pas Fait le dinosaure, C'est tout. ça. Ça, c'est un film avec Emma Watson, déjà, c'est pas mal. Et en plus, dedans. Ah, ils ont déjà fait des films ensemble. Ouais. C'est Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe et Ben Affleck. Ils ont déjà tourné ensemble. Ouais, et ça, bah, c'est. Si, c'est. Ben non, ils vont tourner ensemble dans le prochain film. Et si, il y a déjà eu dans d'autres versions. C'était quoi? Tu n'as pas connu? Non. Si, c'est Batman. Là, il est là. Mais il n'était pas Daniel Radcliffe dans Batman. Si, enfin, il est dans le prochain. C'est celui-là, en plus, on a fait l'affiche. C'est N'importe Batman. quoi. Batman à Poudlard. Donc voilà, pour Ok. aller sur des bêtises comme Max, on ça. va s'arrêter là. Après, c'est génial. Ça me fait rire, donc l'effet C'était pour, en est fait, c'était cool. pour mettre un peu en cette carte-là, qui peut en fait être deux cartes, qui peut être montrée comme Ouais. ça, tu vois, Ben Affleck, et montrée comme ça, Batman. Ouais. Parce que dans le paquet, je ne l'ai pas sorti, mais il y a Bah, eu il y a des cartes Spider-Man. spéciales, en fait, dont on n'a pas trop parlé. Ouais. Après, on ne peut pas tout vous révéler non plus, mais c'est un projet complet et qui est très très Il y bon. a Spider-Man, il y a, enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Beaucoup de boulot autour. Félicitations à toutes les personnes qui ont brainstormé, qui ont bossé sur Merci le Olivier, projet. ouais. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Voilà.
Merci Max pour toutes ces démos. Bye bye, merci à toi Jérémy. Et à très vite. À plus, salut!